cœur du ciel. Crois en un seul Dieu universel. Quel que soit le nom que tu lui donnes dans ta vie, quelle que soit la place qu'il occupe hier, il n'en a rien à foutre de ton statut social, de ton continent ou ta couleur. Il veut partager tes peines et ta douleur. Hey, hey. Oh nana, t'es la source divine qui éteint le feu. Jéhovah Tata Zambéja, t'es la source divine qui éteint le feu. Je serai avec toi jusqu'à la fin, mon Dieu. En toi j'ai mis la foi, en toi j'ai mis espoir. Jéhovah Tata Zambéja, ah 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 ah. Jéhovah Tata Zambéja, ah 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 ah. Jéhovah Tata Zambéja, ah ah ah. C'est comme ça naturellement qu'on veut commencer en tout cas cette journée ou cette belle émission du vendredi, et c'est comme ça également qu'on veut remercier notre Seigneur de nous avoir permis d'avoir fini la semaine, d'avoir terminé la semaine en beauté avec vous, chers amis téléspectateurs. Aujourd'hui c'est la dernière émission, et dans cette émission, vous le savez très bien, on ne fait pas du sérieux, on s'amuse, on dégame, on rigole, on chante, on danse, on mange, et la partie la plus importante aujourd'hui, c'est qu'on va manger. Merci. Et pour ça, justement, vous allez retrouver sur le plateau de belles petites dégustations qui ont été représentées de manière très, très exotique. Nous sommes chez nous, nous sommes en Afrique, et nous allons parler de fruits séchés dans cette émission. Nous allons également repartir avec une société qui nous fait de la livraison de bonne nourriture. Et nous avons déjà été livrés ici au studio. Et donc, voilà. Vous n'êtes pas invité. Ce n'est pas obligatoire. Nous vous représentons. Et c'est déjà fait. Voilà. Alors, dans cette même émission, aujourd'hui, nous allons parler d'exposition de photos. Nous allons parler d'art, et vous allez les retrouver, ces Choco charmants hommes qui vont venir ici pour nous présenter cet événement de l'autre côté de l'hôtel Onomo. Et nous avons également à l'Institut français celui-là, qu'on appelle le fou, l'alien. La bête. Deux bêtes mises ensemble. Mm-hmm. Je n'ai pas même mises ensemble. Dove, c'est lui qui a crié la cloche dans le studio. Bon, alors, nous avons deux bêtes mises ensemble qui seront ici sur le plateau pour vous faire découvrir justement leur art, la musique vue autrement, la musique faite autrement, et ce sera juste de la folie. Et encore dans cette émission, nous allons parler environnement avec Monsieur Joël qui entre-temps est en route. Il est quelque part dans Lomé, en train d'arriver dans le studio, et nous allons revenir avec justement ces restaurants, les bons coins, les bonnes adresses, les belles festivités avec notre cher Linus qui est avec nous. Et sur le plateau, il est beau naturellement, c'est un bon Togolais. Et lui, il fait de la musique, et ce sera avec notre cher Manu. Mais avant ça, j'aimerais dire bonjour à nos chers amis téléspectateurs et vous souhaiter la bienvenue dans la pause. Aujourd'hui, c'est vendredi. C'est la pause. En télé-sortie seule. C'est le remix? Non, on le fait bien. Donc, c'est la pause. On est dans la pause. C'est la pause. On va chauffer un peu. On est dans la pause. C'est la pause. On est dans la pause. C'est la pause. On est dans la pause. C'est la pause, on est dans la pause, la pause, c'est la pause, la pause, on est dans la pause, la pause. Ouais, on a vu ça. Mais quand même, on va commencer cette émission justement. Maman Lola, on va en parler avant la fin de l'émission. Du coup, si tu finis de tout manger, il n'y aura rien à présenter sur votre table. C'est tout, hein. Ah, carrément. Bonjour la famille. Bonjour Océane. Si tu insistes, voilà. Alors bonjour notre invité. Bonjour Océane. Vous êtes très charmant et soyez le bienvenu dans la pause. Bonjour mon menu. Bonjour Océane. Comment ça va ce matin? Ça va très bien. Voilà. Alors bonjour à tout le monde également dans le studio. Entre temps, bonjour à Dove. Il est là sous ses lunettes ou derrière ses lunettes. Yes, yes, yes.
Et c'est de Dove qu'il s'agira demain, de toute façon, à l'Institut français. Donc, vous allez le découvrir d'une autre manière. Voilà. Alors, dans cette émission, aujourd'hui, nous allons quand même parler de tout ce qui est expo, photo. Et vous allez devoir rester sage jusque-là. Mais tout de suite, nous allons partir pour Pause Voice avec la complicité de la régie. Si on peut juste avoir l'intermède et juste après, on laisse notre Manou nous présenter notre invité et nous emmener un peu dans les sonorités de chez nous. C'est parti. Alors, nous sommes avec Carton Rouge et c'est toujours mieux de présenter l'artiste dans son art plutôt que de trop parler. Alors, écoutez simplement. Fait mieux que ça, mais aujourd'hui n'est pas inspiré. Sinon, habituellement, il fait mieux que ça quand même. Oui, il faut pas vouloir. Je dis, aujourd'hui, il n'est pas inspiré. Non, donc, tu veux. Aujourd'hui, là, bon, quoi. Non, tu as le droit de ne pas. C'est, okay. Tu as le droit de ne pas le faire. Voilà. Alors, on veut découvrir notre artiste à présent. Ensemble, nous sommes avec Carton Rouge. Donc, du coup, moi, ce qui m'interpelle déjà, c'est le nom parce que c'est pas. Casquette rouge. Voilà, ouais, bon, non, mais c'est pas casquette rouge, c'est Carton Rouge. Oui, je sais, mais il y a une casquette rouge. Du coup, on dirait qu'il aime le rouge. Hein. Effectivement. Mmh. Donc, Carton Rouge. Ben, déjà, le nom Carton Rouge, c'est... Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, le nom Carton Rouge, je l'ai eu comme ça lors d'un concours parce que j'ai commencé avec la danse. Okay. Voilà, donc j'étais d'abord danseur chorégraphe avant de devenir artiste chanteur. Et c'est lors d'un concours que un grand frère de la musique m'a donné ce surnom. Mais le surnom, je l'ai eu comment? C'est-à-dire, on a fait le concours, j'ai réussi à faire descendre tout le monde. Mmh. C'est-à-dire, j'ai été celui-là qui a gagné le concours. Donc, vous savez qu'on donne carton rouge à quelqu'un, c'est lors d'un match. Oui. Qu'on lui donne le carton rouge, c'est-à-dire, il sort. Donc, automatiquement, le grand frère a dit au public que, le jeune homme a reçu à vous donner carton rouge. Tout le monde est sorti. Et tout le monde est descendu. Donc du coup, j'ai gagné. Donc c'est un peu dans cette optique que j'ai opté pour ce nom. J'ai carton eu le nom. Rouge. Carton rouge. Mais voilà. Sinon, à l'état civil, on vous appelle comment? Sinon, à l'état civil, c'est Jachi Arnold Eloge Lewis.
ça là, c'est moi qui ai fini de draguer. Non, sérieux, la drague est terminée en même temps. C'est le genre de grossesse quand on vient l'annoncer, toute la famille est réunie. Notre fille est enceinte, donc la tante dit je donne un prénom. Donc, tu donnes quoi? Tu donnes quoi? Tu donnes quoi? Le premier nom, je n'ai pas retenu. Le nom de famille, c'est Djatchi. Djatchi, ok. Voilà, c'est Djatchi, ok. D'accord. Donc, tu peux nous parler un tout petit peu de toi, ce que tu fais comme musique? Je fais de la variété, comme j'aime bien danser. C'est vrai. Donc, je me dis que je suis encore mieux placé pour faire danser les gens. Donc, j'ai cette inspiration, j'ai un peu cette facilité de faire la variété. Okay. Donc, je suis typiquement variété. Okay. Tout ce qui est. Oui, tout ce qui fait danser. Que ce soit la zone, bien de faire que ce soit là. Du coupé du décalé, que ce soit du kulkaché, du agbaja, du kamou, tout ce qui fait danser, tout ce qui peut te faire transpirer. Donc si tout à l'heure je vais sur YouTube, je tape carton rouge, je vais tomber sur tu vas tomber sur malade ambiance. Mes chansons, mes clips, voilà. Et puis autres aussi. Ok, super. Des spectacles que j'ai eu à faire. Je sais quand tu as fait un clip là, avec dit limousine. Oui. Mais avant de venir à ça, moi j'ai entendu un morceau. Le morceau, c'est Les Immortels du Boucan. Oui, oui. Voilà. Oui. Les Immortels, donc, oui. Si c'est possible, on y va rapidement. Les Immortels. Ok, on y va. C'est bon, on peut tenter. On peut aller. C'est bon. Les immortels du boucan, les immortels du boucan, les immortels du boucan, les immortels du boucan. Carton rouge, jolibilité, mon héros, sa beauté légendaire a fini par détendre sa fauche. Bradigno, la merveille, Jano, l'agent cadet de voix du Zid. Sénateur causé, Alino, premier ministre, Christo, le chancelier. Voici le plus sage, Viana, le sage, président Mistral, Ataoué, l'agent. Les immortels du boucan. Les immortels du boucan, les immortels du boucan, les immortels du boucan. Oh, Océane, la jolie tata, Manu, c'est toi le guitariste. Whiz, avec ses lunettes, Tata Lola. Avec ses cheveux. Merci. C'est normal, lorsqu'on chante et qu'on vous appelle dans les chansons, vous vous levez pour aller donner de l'argent. Non, c'est pas obligatoire. C'est moi qui anime l'émission, mon frère. Tu vas descendre. De plus, carton rouge. Je suis menacé. Carton rouge, carton rouge. Tu restes juste avec ta guitare. Non, voilà. Il est là, il va pas permettre ça. Ok, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a déjà un album qui est préparé, qui est mis en circulation? Moi, je demande son single. Je vais commencer avec les singles. Avec mon staff. Bon, peut-être d'ici 2020, on va préparer un album. Voilà. Mais j'ai aussi mon dernier tube qui va sortir d'ici le 2 à 5 décembre. Mm-hmm. J'ai une collaboration avec Serge Beno. Serge Beno de la Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Le morceau est déjà prêt, nous sommes en train de préparer la date. On peut entendre, écouter un peu, ou bien c'est genre, vous n'avez pas le droit. Personne ne saura, on est entre nous, avec les téléspectateurs. Nous sommes entre nous. Ça va rester dans la pause. Sur le canal 260, juste que là, toujours juste entre que nous. Là. Oui, si. On peut entendre un peu. Non. Comment m'appelle Fredonné. Votre partie est pas celle de Serge Beno, on va nous assigner ici. Alors, on écoute. Talamoutala m'a dansé. Talamoutale, de nos limites internationales. Talamoutala m'a dansé. Talamoutale, c'est nos limites internationales. Coupé, décalé.
coupé, décalé, oh. T'es pas obligé d'aimer mon coupé décalé. T'es pas obligé d'aimer le coupé décalé. Il suffit d'écouter seulement et puis tu danses. Il suffit d'écouter seulement et puis tu danses. On y va. Talamou, talamou, talé. Talamou, talamou, talé, va danser. Talamou, talé. C'est nos limites internationales. Talamou, talamou, talé. Elle aime danser. Hein? On a dit, tu peux ne pas, on a bien dit, tu peux ne pas m'aimer, mais tu écoutes ma chanson et tu te mets à danser. Merci. Donc, c'est ce que nous avons commencé à illustrer dans cette émission. Ouais. Mais on va quand même voir si l'artiste, vous, à la maison, vous allez l'aimer ou pas. Parce que nous avons un clip qu'on va vous jouer et on vous laisse apprécier. Merci à la régie. Avec Limousine. Abel Prout Record. DJ Awal, DJ Michael, DJ Fuga. Tapez la machine. Le parrain, le boss, El Angel Vapiro, Jeff Badji, BCAO. Le secret du football, DJ Koubenya. Tout le monde est Abedi Limousine. On va danser Abedi Limousine. C'est pas compliqué. Mario, tout le monde est avec du limousine. On va danser avec du limousine. C'est pas compliqué avec du limousine. On va danser, danser sur les mains. Tout le monde est avec du limousine. On va danser avec du limousine. C'est pas compliqué avec du limousine. On va danser. Vous dansez avec du limousine. Mon ami, ce n'est pas compliqué. Vous dansez avec du limousine. Ma chérie, ce n'est pas. Tu nous joues à gauche, tu bouges à droite. Il est temps, il est bon, tu bouges comme ça. Tu bouges à gauche, tu nous joues à droite. Il est temps, il est bon, il est temps comme ça. Tout le monde. J'ai fortuné. Tout le monde est avec du limousine. On va danser avec du limousine. C'est pas compliqué avec du limousine. On va danser. Déchets solution info. Maman Isabelle Guiraud. Anaconda la légende. Kassara de Manaya. Les mamans, les papas, les autos, les tatis. Tout le monde est dansé avec du limousine. Tout le monde est bougé avec du limousine. On va danser. Avec du chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Yes, Manaja, André de Souza. Mon ami, le problème de la vie ne finit jamais. Ma chérie, le problème de la vie ne finit jamais. Quand tu tombes, faut pouvoir te relever. Quand tu tombes, faut pouvoir te relever. Voilà, en tout cas, c'était le clip que vous étiez en train de déguster. Et nous, ici, justement, il y avait Lina qui était tellement intéressée, peut-être parce qu'elle veut apprendre aussi à danser. C'est pas évident, hein, vous lui demandez de danser, elle va fuir. Mais elle cherchait le contact pour vous contacter après, vous appeler pour un cours éventuel de danse. Éventuel. Il n'y a pas de souci. Voilà. Sur ce quel numéro on peut vous joindre? Aussi, il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Sur quel numéro on peut vous joindre? Le numéro sur lequel on peut ça vous joindre. Ça vient. Manaja, donne le numéro. Ah, d'accord. Bon, le numéro, c'est le 93. 93. 80. Oui. 98. 98. 88. 88. Le 93, 80, 98, 88 pour joindre l'artiste. Mais une chose est certaine, si vous avez des événements que vous ne l'appelez pas, c'est que le show ne sera pas assuré. Hein. Ouais. Parce que ici, franchement, le Ndjoka sera de taille. Franchement. Non, pas le Ndolé. Le Ndolé, c'est la sauce. Rien à voir avec ce que nous avons par ici, parce que c'est de la salade. Hein. Tout ce qui a été ramené là, c'est de la salade. Si, si. Mais le Ndolé, c'est pas de la salade. C'est de la sauce. Voilà. Manu, on te laisse conclure. Non, je pense qu'on a terminé sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, c'est Carton Rouge. Oui, Carton Rouge CR5. Ciel 5. CR5. CR5. CR5, pour bien préciser, parce que il y a des danseurs qui se font appeler Carton Rouge. Ok. L'original, elle est ici dans la C'est sur mon nom que d'autres danseurs ont eu, parce que j'ai dû commencer à danser avec Arafat. Mm-hmm. Voilà. Donc, wow. Après moi, il y a eu un deuxième danseur que Arafat a donné le nom Carton Rouge. Ok. Voilà. Après, j'ai dû danser avec Serge Benoît.
J'ai dû aussi à danser avec Didier Rodrigue. Oui, oui. Des anciennes actrices. Mais moi, ça m'amène à vous poser une question. Vous êtes plus au Togo ou vous êtes beaucoup plus en Côte d'Ivoire finalement? Bon, je suis ici au Togo. D'accord. Je suis ici depuis déjà 5 à 6 ans. Mm-hmm. Je suis là donc je fais la navette puisque c'est ici que je travaille. D'accord. Moi-même, je suis manager d'une discothèque de la place. D'accord. Voilà, qui est au niveau d'Avidji. Ah, donc pour moi, c'était comme un hommage au Carrefour Avidji où j'ai fait cette chanson. Okay. Une manière de faire un hommage au Carrefour parce que c'est devenu une place tournante de fêtes et tout et tout. Donc pour moi, peut-être si d'ici demain ou bien après demain, je suis plus ici. Ça reste quelque chose grave. Marqué à vie. Ouais. Wow. En tout cas, merci pour tout ce que vous faites pour la culture togolaise. Et on vous souhaite également beaucoup de chance avec ce clip, mais également avec tout le reste de vos activités. Okay. Et si vous avez besoin de nous, vous êtes ici en famille. C'est la pause. Si vous me permettez. Et on est dans la pause. Voilà. Si vous me permettez. Bien sûr, allez-y. Je serai ce soir en spectacle au concert de Carole pour la première partie. Mm-hmm. Voilà, donc je profite de cette occasion pour demander aux spectateurs d'être présents ce soir. Parce que ça va danser, ça va chanter. Si je me trompe, c'est au niveau de l'hôtel à UEFA. Hôtel à UEFA, oui. Au niveau de l'hôtel. Soirée intimité, Carole. Et le 29, j'ai le grand frère Yahweh Richard Keteti qui fête son anniversaire. Oui. Donc, il m'a sollicité aussi pour une prestation. Donc, je serai avec Piwi, avec Mike Flame en prestation pour son jour, pour son anniversaire. Tant que nous aussi on est invités, il n'y a pas de problème. Donc il faut lui passer le message. Nous aussi, on a déjà accepté son invitation. On va arriver. Nous, on a tout. Si, on vient même avec nos boissons. Il n'y a pas de problème. Voilà. Allez, Manu, on va partir maintenant pour la plage publicitaire. Et juste après, on va avec Maman Lola recevoir nos chers invités qui nous viennent pour nous parler justement de concerts et d'expositions de photos. C'est parti. Vous êtes entreprise, particulier ou promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir, contactez-nous sur la pause au 00 228 96 06 06 06 ou envoyez-nous un mail à laposeemissiontv@gmail.com. J'ai longtemps cherché la beauté pure, ce petit quelque chose qui nous rend unique. Il est en vous, il suffit d'aller le chercher et se laisser guider. La route peut être longue et bardée d'obstacles, mais elle en vaut la peine. Cela ne changera pas celle que vous êtes. Cependant, vous ne serez plus la même femme. Votre complice, vers la magnificence et la grâce. Captivante, unique, ce complice, c'est Marécha. Toto Cosmetics. Voilà, alors Institut français comme toujours, et on sait qu'à la fin de chaque semaine, ou même limite tous les soirs, il y a toujours un événement de l'autre côté. Et celui qui est avec nous, c'est Monsieur Kana. J'ai pas envie de beaucoup parler. Ici, vous retrouvez notre cher Dove, Monsieur Ski M'énerve. Mais aujourd'hui, Ski M'énerve, aujourd'hui, il a laissé sa veste de Ski M'énerve. Il sourit. Donc, il faut qu'on l'applaudisse. Voilà. Une fois qu'il n'est pas énervé, c'est quelque chose d'assez louable. Et puis, il faut lui offrir de l'eau qu'il boive et qu'il reste dans cet état d'âme jusqu'à. Voilà, c'est bien. Voilà. Bonjour, Dom. Bonjour, Sian, ça va? Mais ça va, on est là. Et toi? Moi, ça va. Je suis content de voir que le business tourne. Ah oui, oui. Non, pourquoi tu dis ça? Laisse, Dom. Ah, ici, c'est plus intéressant. Bonjour, Kana. Bonjour, Sian. Bonjour à tous les posiens. Tu es encore revenu. Les poseurs. Les poseurs.
Mais il faut, à un moment donné, il faut que tu trouves vraiment le prénom que tu veux nous donner. Les Poséidons. Les Poséidons. Ah, Poséidons. En tout cas, c'est un plaisir d'être avec vous encore aujourd'hui. Je suis là pour vous parler d'un spectacle qui aura lieu demain. Mm-hmm. Ce week-end, nous avons deux spectacles. Nous avons un spectacle de théâtre ce soir, Zokwezo. Mais demain, nous avons un gros événement qui s'appelle donc Alien Cartoon, qui est donc un spectacle de musique électro avec un DJ sénégalais qui s'appelle Ibaku. Et en collaboration avec la bête d'Ovendi. Mm-hmm. Donc c'est de ça qu'on est venu parler. Cet événement se tient dans le cadre donc de Novembre Numérique, qui est donc tout un mois consacré aux cultures numériques à l'Institut français du Togo. Nous avons des conférences, des ateliers pour les plus petits, pour les grands, des grands aussi. Par exemple, demain, nous aurons un atelier de robotique pour les tout petits, par exemple. Et également dans le cadre de l'ouverture du Palais de Lomé qui aura lieu cet après-midi, mais nous avons un spectacle qui s'inscrit dans ce cadre aussi. Mm-hmm. Donc voilà un peu le cadre dans lequel s'inscrit ce spectacle. Nous avons amené un ovni, un alien, quelqu'un qui écume les festivals en Europe et en Afrique et qui a un univers assez particulier. Il vient nous partager son univers avec nous, il va vous parler d'Alien Cartoon qui raconte une histoire afro-futuriste. Tiana, c'est bon. Ah, laisse-nous. Sur les réseaux sociaux, on lit Ibaku. On a vu, on est allé découvrir ses clips. Aujourd'hui, il est là. Donc, Kana, il est au Togo. À la fin de l'émission, on va se parler. Lui va partir. Alors, bonjour, chers amis. Bonjour, Océane. Magnifique. Oh, yeah. Faut continuer, maman Lola. Au foie. Vous ne comprenez pas. On te parle, on te retourne. Non, attends, quand vous ne comprenez pas, on va aller en français. C'est mieux, maman Lola. En tout cas, soyez le bienvenu dans la pause. Merci. Et nos chers amis téléspectateurs, ainsi que tous ceux qui sont déjà prêts à arriver à l'Institut français, veulent mieux savoir sur vous et surtout savoir qui vous êtes, pourquoi vous êtes dans cet art. On a un petit visuel. J'ai bien envie de demander à la régie de nous faire passer un extrait et puis juste après, on va revenir pour vous poser des questions. C'est parti, le clip. Emporté, mais je coupe et on revient par ici parce que le plus important est là. Voilà. Ibaku, les Togolais veulent savoir justement comment vous vous définissez. Bonjour, merci pour l'invite. Bonjour Togolais et Togolaises. Moi, je me définis comme un poète sonore. Je suis musicien, rappeur à la base, beatmaker. Et depuis quelques années, j'ai fait une renaissance artistique, j'ai changé mon nom et j'ai pris mon vrai nom, Ibaku, qui veut dire l'aîné en Djola. Mm-hmm. Et voilà, je me définis comme un poète sonore.
Voilà. Alors, comment est-ce qu'on arrive justement à proposer une musique métissée qu'on ne retrouve pas souvent en Afrique? Parce qu'on a vu de la danse, on a vu de la lumière, hein, on a vu... franchement, c'est un mélange explosif. Mais comment on arrive justement à proposer cela? En fait, à Dakar, je fais partie d'un collectif d'artistes. Donc, c'est les gens que vous voyez dans la vidéo, qui ont fait la vidéo, les danseurs, à la lumière, au son, à la mode aussi. Oui. Donc, quand on a des projets en solo, chacun vient apporter sa petite pierre. Et c'est comme ça qu'on a bossé sur cet album, cette vidéo. C'est un projet qui n'est pas juste musical, c'est un projet qui est aussi visuel, comme les téléspectateurs le verront ce samedi. Mm-hmm. Yeah. Je pense que c'est bien de venir sur la vidéo, mais c'était surtout au niveau de la musique. Mm-hmm. Comment est-ce que tu arrives à marier ces styles-là, qui étaient avec un style de digitoire, que tu arrives à métisser avec un style vraiment afrofuturiste, comme tu dis, mm-hmm. tu vois? C'est plus une nouvelle, tu vois. Ici en Afrique, on a vraiment une richesse incroyable. Et moi, j'ai juste décidé de plus regarder ce qui se passait genre en Europe ou aux États-Unis, de plus regarder ce qui se passait chez moi d'abord et de mettre ça dans un contexte où on utilise des ordinateurs, on utilise des machines, et de faire un mélange de ces deux-là, parce que c'est pour moi c'est le plus important, tu vois. Je voulais même demander par rapport aux instruments mis en jeu pour dégager cette musique. C'était quoi? Moi, je pensais que c'était des instruments d'ici, mais bizarrement que c'est autre que... C'est toujours bien de lui demander justement quels sont les instruments qui ont été utilisés. Oui. Du Sénégal, tu vois. Ouais, le rythme, c'est un rythme du sud du Sénégal, chez les Diola en Casamance. Mmh. Mais ce que j'utilise comme instrument, c'est les instruments que tout le monde utilise partout dans le monde. Guitare, clavier, les ordinateurs, les logiciels. Et beaucoup de samples aussi, tu vois, beaucoup de samples africains, des voix, des percus, mm-hmm. Pour amener cette texture 100% afro, quoi, on va dire. Quoi. Ouais. Moi, ma question, non, c'est sûr que vous avez tourné votre musique, les vidéos, tout ça, c'est sur quelle planète? Alors, ça se passe pas sur une planète, ça se passe en Afrique, dans le futur. En Afrique, dans le futur. Voilà. En Afrique et dans le futur. On a Ibaku, on va le retrouver, mais on a également notre cher Dove Ndi qu'on va retrouver. Monsieur, on veut savoir, c'est quoi la surprise que vous nous réservez demain? Une surprise, sinon. Qu'est-ce qui est sûr? D'accord. Alors, Dove, qu'est-ce que tu me réserves pour demain? Pour faire simple. Ben voilà, on va toujours, on est entre nous, n'est-ce pas, avec tous les téléspectateurs du Canada. Oui, on est entre nous, on est entre nous. Donc voilà, après, ça sera vraiment des moments de partage, ça sera surtout de la performance, et voilà, c'est toujours un plaisir de, tu vois, de pouvoir se connecter. Comme il a dit, tu as dit quoi, le Wi-Fi quoi? Le Wi-Fi des esprits. Et le Wi-Fi des esprits. Ouais, le Wi-Fi des esprits, et voilà. Après, c'est intéressant de pouvoir pénétrer son univers. Parce que je pense que c'est aussi ça l'artiste, c'est pas rester collatré dans son carton, dans sa zone de confort, tu vois, c'est sorti. Tu vois, c'est vrai que je fais mes titres et tout ça, mais je vais quand même essayer de pénétrer l'univers d'Ibaku. Mm-hmm. Et voilà. Et après, ça sera, comme j'ai dit, du show, la performance, des émotions vivantes et tout ça. Mais surtout du partage. Et surtout du partage, voilà. Alors, oui, maman Lola. J'ai vu donc pénétrer l'univers de Maria Mobile. Est-ce qu'on aura demain le son Maria Mobile avec Dor? Là, il est en train de lever le voile sur des choses. Bon, question pour vous, monsieur Dove. Il faudrait que vous répondiez à elle. La question, c'était elle. Est-ce qu'on aura votre pénétration? Non. Est-ce qu'on aura votre Il n'a pas pu aller plus. Non, c'est important ce qu'il voulait. Enfin, elle voulait. C'est très important ce que j'ai dit. Mm-hmm. Est-ce qu'on aura le son et ton nouveau son là avec Maria Mobile et dans là où tu l'as pé. Non. Tu l'as. Bon, je voulais employer le mot, mais ça ne veut pas. Ouais. Péné. Ouais, bon, voilà. On aura la vidéo. Ok. On aura la vidéo le 29. Donc voilà. Maman Lola, vous restez juste en attente. De toute façon, il y aura du lourd. Parce que lorsque vous regardez ce qui circule sur les réseaux sociaux, vous êtes impatient de voir ce que ça va être, le résultat final. Voilà. Mais on va quand même revenir à demain. À quoi doit-on s'attendre justement pour le show que vous donnez à l'Institut français? Ça va être. On va faire voyager les spectateurs.
parce qu'on raconte une histoire, on raconte, comme je disais, l'histoire d'une, d'une ville africaine dans le futur. Et donc, c'est pas juste la musique, il y aura, comme je disais, la performance, l'échange qu'on a fait ensemble. Il y a aussi, je suis venu avec Ben Richard, qui est VJ, qui fait la vidéo, qui est en train de faire en ce moment des ateliers à l'Institut. Oui. Et donc voilà, ça va être un spectacle visuel, mais musical aussi, quoi. Voilà. Alors, il y a Lina qui a... Oui, en fait, toute ma question, c'est très simple de savoir qu'est-ce que véhicule... quels sont les messages à travers les danses, peut-être, ou bien les sonorités qu'Ibaku nous propose? Il y a plein de messages, mais je pense que le message le plus important, ce serait un retour aux sources en tant que jeune africain, en tant qu'artiste africain, un retour vraiment à ce qui nous appartient et comment le valoriser encore mieux, tu vois, comment le valoriser encore mieux, parce que c'est jusqu'à présent dans l'histoire, c'est d'autres personnes qui le valorisent pour nous. Mais c'est un peu ça le message, quoi, de... Ouais. Ok, est-ce que le fait d'impliquer quelque chose de futuriste, donc de mélanger avec d'autres sonorités, ça ramène, ça nous ramène aux autres cultures, c'est-à-dire que les autres cultures puissent comprendre ce qui se passe chez nous. Est-ce que c'est pour ça le mélange? Est-ce que c'est vraiment l'objectif? Non, je pense pas, c'est plus... je pense que c'est un message... Qui implique le futur, mais c'est un message du présent aussi, tu vois, parce que les instruments que j'utilise, les logiciels qu'on utilise sont les outils de tout le monde aujourd'hui, de tous les musiciens. Et je pense que c'est juste pour pouvoir montrer notre force, tu vois, montrer notre talent, notre créativité avec les outils d'aujourd'hui, en fait. C'est juste ça, en fait. Je pourrais peut-être, c'est vrai, je n'ai pas le droit, mais je peux enrichir la vision d'Ibaku, en fait. Si vous avez remarqué récemment, il a fallu que Beyoncé porte les bijoux en Corée de la falaise Dion pour que tous les Africains se le réapproprient quelque part. Il y a quelques années, quand tu portais du Cori, on dit si tu n'es t'as pas. T'as catalogué tout de suite. Ouais. En général, il faut toujours que les autres nous valident. Faut que nous nous validions nous-mêmes. Je pense que la démarche d'Ibaku permet de comprendre qu'en fait, que les bananes plantains qui sont là, on peut l'exploiter autrement et pour le présenter au monde. Et je pense que c'est ce qu'il est en train de faire parce qu'il joue plus en Europe ou en Occident ou dans d'autres contrées qu'en Afrique. Il va vendre l'Afrique autrement au monde. Et je pense que ce serait bien que demain, ce ne soit pas juste des gens qui aiment la musique ou des gens qui sont curieux de musique qui viennent, mais vraiment des jeunes Africains qui veulent redécouvrir autrement leur culture. Parce qu'ils ils proposent une nouvelle lecture de tout ce qu'on entend tous les jours. Oui. Voilà, c'est tout ce que je pense que c'est le message central. Et je vous invite. Engager comme manager, mon frère. Parce que là, il assure. Hein, en tout cas. Je vous invite à faire massivement le déplacement. Toute l'équipe de la pause. J'ai constaté qu'ils étaient tous là à Calmas Challenge. Ça, c'est la petite menace. Est-ce qu'on le peut... Attends, j'ai pas... Est-ce que tu vois le regard de Bob? Depuis, ne souris pas. Océane, je voudrais juste dire quelque chose. Oui. J'ai juste constaté que vous étiez tous là à Calmas Challenge. Oui, mais je tiens à préciser que pour le spectacle Cube, j'ai ramené une dizaine d'invitations. Et on a envoyé 10 représentants. Je ne les ai pas vus. Ah bah, vous ne les connaissez pas. Ouais, eux, ils ne se sont pas présentés. Donc, maintenant, moi-même, je serai à la porte demain. À cause de nous? Oui. Bah dis donc, quel honneur. Je sais pas, non, je vais sacrifier, rester à la porte pour vérifier chaque... C'est le regard de Dove qui est très dangereux. C'est genre, ouais, les gars, je vous attends. Ne venez pas. Ne venez pas. Chaque membre de la pause, il ne vient pas. Je vais faire appel. La pression. Ok, il n'y a pas de problème. La pression. Il faut surtout passer le message à celui-ci. Ah, mais non, le message, il est passé. À celui-là? Moi, je viens, j'ai toujours été présent. Merci. Bon, alors, l'entrée, nous, on a des invitations spéciales. Oui. Et l'entrée, c'est à combien? L'entrée, c'est juste à 1000 francs CFA. Oui. On a fait un prix plus bas que la moyenne pour permettre à tout le monde justement de venir découvrir un concert unique, un spectacle unique. C'est pas un concert, c'est un spectacle. Et ce sera un spectacle debout.
Bien sûr, il y aura des chaises. Ambiance. Bien sûr, il y aura des chaises, mais vraiment, on ne voudrait pas avoir les gens assis parce que le DJ Ibaku qui se met en spectacle, c'est vraiment, tu abordes de la musique qui fait bouger et qui pénètre. Voilà. Et vous connaissez déjà Dovendis, ce dont il est capable. Ce qui est bien, c'est qu'on l'amène à se transcender, à se dépasser. Mm-hmm. Ce n'est plus juste du hip-hop, ça va au-delà du hip-hop. On rajoute de l'électro, on rajoute une autre expérience. Oui. Donc ça ne sera pas le Dove qu'on connaît, ce sera forcément Dove encore. Une nouvelle découverte. Voilà. Mm-hmm. C'est justement pour ça qu'il s'éteint les cheveux en jaune. C'est le super. Ah oui, super c'est saiyan. C'est à 20h. Voilà. C'est à 20h quand même. C'est à 20h. C'est à 20h. Et à l'Institut, on est toujours à l'heure. Donc c'est voilà. C'est pas ce même prix que le burger, mais croyez-moi, ça fait plus de bien. Donc venez, vivez les émotions, rentrez chez vous riches. Et voilà, partagez avec ceux qui sont restés à la maison. Mm-hmm. Ceux qui ne viennent pas, comment ils sont parle généralement, si tu ne viens pas, tu meurs. Mais sur le tout, si tu ne viens pas, tu vas vivre assez longtemps pour le regretter. Parce que je veux que tu aies mal. Est-ce que tu parlerais à quelqu'un de particulier? Mais aux téléspectateurs, si vous ne venez pas, ça va l'énerver. Ouais, bon, ça c'est un truc. Bon, de ce qui m'énerve, on en parle. Alors, vous avez vraiment votre garantie comme quoi toute l'équipe va se déplacer parce qu'on a adoré ce que Ibaku fait. On adore notre Dove et on n'a pas l'intention du tout de rater un spectacle comme ça. Franchement, en plus, c'est à 1000 francs et ça ne coûte absolument rien. Et on a eu trop de pression cette semaine pour aller en dessous. Voilà. Alors, on va partir maintenant pour la plage publicitaire couplée, justement. On va revenir retrouver d'autres invités. C'est parti. Lomé accueille du 3 au 4 avril 2020 la 4e édition du Forum des jeunes cinéastes engagés pour l'environnement. Un geste, une vie, sauvons la planète. Qui repartira avec les 1 000 $ mis en jeu. À vos caméras. Vous êtes cinéaste, journaliste, ONG, vous avez un film de moins de 30 minutes qui traite de la protection de l'environnement. Postulez en envoyant votre film par 8 transferts ou télégramme à fessilomeforuminscription@gmail.com. Vous avez jusqu'au 20 février 2020 pour repartir avec les 1 000 $ et le trophée en jeu. Par ailleurs, Fessilom, avec l'appui du Pocket Éco-Cinéma, organise du 24 mars au 1er avril 2020 une formation des acteurs et de réalisateurs pour 2 semaines. Vous voulez vous perfectionner? Réservez votre place du 20 novembre au 20 février 2020. Pour tout contact, écrivez-nous à fessilom@gmail.com ou par Facebook Fessilom officiel. Fessilom, jusqu'au bout de la perfection. Une gamme de soins pour révéler la beauté de votre peau. Dodo. Avec l'huile de soin, le savon de beauté, la crème et le lait hydratation intense pour un maximum de bien-être. Grâce à ses actifs bio-végétaux et ses multivitamines associées à l'action White Up, la gamme de soins Dodo unifie votre teint. Vous êtes lumineuse, votre peau est plus belle, plus douce, votre teint est unifié et éclatant. Dodo, la gamme de soins qui révèle la beauté de votre peau. Voilà, alors d'un plateau à un autre et d'un spectacle également à un autre, nous passons maintenant de la musique à une expo vente. Et nous allons parler d'objets d'art, de tableaux. Est-ce que vous avez vu l'affiche? Vous avez vu un peu ce qui se prépare là? Oui? Non? Maman Suzanne? Ouais. Maman Lola? Ah oui, des images authentiques. Ah ouais? Et très, très... Authentiques. Authentiques. Oui. Très, très...
très profondément authentique. Okay. Très authentique encore. Authentique. Voilà. Authentiquement authentique. Authentiquement authentique. Top. Qui nous ramène justement des personnes ou des personnalités authentiques du monde culturel togolais. Avec des graines authentiques. Bonjour, Océane. Bonjour. Bonjour, Océane. Bonjour, Julio Teco. Bonjour. Vous allez le lâcher un peu pour qu'il rit beaucoup. Il ne va pas pouvoir faire l'émission. Si vous voilà. Alors, je te sauve jusqu'à ce que tu payes la facture. Merci. Alors, on va parler aujourd'hui de Ghosts. Une expo vente, comme je l'ai dit. Mais je préfère encore que vous vous présentiez à nos chers amis téléspectateurs. Bon, pour toi, tu peux laisser, tu es dispensé. Et puis, on va rentrer. Voilà. Allez. Bonjour, cher ami. Bonjour, Océane. Maman Lola, tiens-toi bien. Merci. Voilà. On continue. Me déconcentre. Alors, je m'appelle Santana Wilfried à l'état civil. Donc, je suis photographe portraitiste et enfin photographe multidisciplinaire. Voilà. D'accord. Alors, on va quand même découvrir cet événement. C'est à l'hôtel Onomo, Julio, mais je veux bien que tu représentes le tout pour nos amis téléspectateurs qui nous suivent. Alors, Tony Santana, sinon de Ghost, est présent à Lomé durant quelques jours pour une expo vente, une présentation de une expo photo autour de la pluie, une partie de son travail qu'il a décidé de montrer au public togolais parce qu'il est dans un processus de présentation de sa photographie, sinon de son art au continent africain. Donc il a décidé, après la Côte d'Ivoire, de faire son premier passage par Lomé. On l'a vu passer pendant le festival Tchaïe Kilma, il est de retour aujourd'hui. Pendant 2 mois, il sera exposé à Onomo. Il a présenté 19 œuvres photographiques axées sur la thématique de la pluie qui pour lui retrace beaucoup de choses, la pluie avec laquelle il a une certaine histoire, et je pense qu'il il partagera dessus avec vous, sinon vous irez voir sur sa page Instagram, sa page Facebook, et même en faisant un tour au niveau de l'hôtel Onomo d'aujourd'hui 22 novembre au 5 janvier pour voir ce qu'il a exposé et pénétrer son travail ou faire pénétrer par son travail. Exactement, donc c'est plus pour ça qu'il est là. Hier, on a fait le vernissage à Onomo, et voilà, le public qui a fait le déplacement a été conquis. On espère que ceux qui sont à la maison font également le déplacement durant les 2 mois pour voir son travail. Il est là avec nous jusqu'à dimanche. Il est à Lomé jusqu'à dimanche, donc c'est trop court. Il adore Lomé, et puis, voilà. Il y a de quoi, il y a de vraies spécialités à consommer ici, et justement vous en avez devant vous, je parle de ça, Julio. Voilà, c'est pour lui. Mais on a quand même, je suis curieuse, lorsque vous regardez le personnage, ça ne vous rappelle pas un concours de Mister, le plus bel homme d'un pays? Ça ne vous dit rien? Non, c'est les papatos seulement, vous voyez, s'il y a deux magazines. Okay, d'accord. Alors lui, c'est Mister Côte d'Ivoire. Comment on fait pour passer de Mister Côte d'Ivoire à l'art de la photographie? Ah bon? Et encore qu'il est mannequin. C'est tellement bon. Alors oui, j'ai été top modèle ivoirien pendant 5 ans. Et j'ai été élu meilleur mannequin ivoirien au top d'Islamo d'Ivoirienne. Puis j'ai remporté plusieurs trophées, dont celui du meilleur mannequin ivoirien encore junior et le mannequin le plus influent aux différents aux awards du mannequin africain. Puis je me suis dit, à un moment, il faut laisser la place aux plus jeunes. Et vous êtes encore jeune? Oh, oui, je suis encore. En termes d'expérience. En termes d'expérience, donc je me suis découvert le talent de photographe et je me suis dit pourquoi pas en faire une activité professionnelle. Et voilà, aujourd'hui j'expose à Lomé. Et c'est tout un réel plaisir pour moi. D'accord. Alors l'entrée, justement, c'est libre et gratuit? Oui, c'est libre. C'est libre pour tout le monde, l'entrée. Parce que c'est très important. L'accès à l'hôtel Onomo est libre pour tout le monde. Free. Pour tous les passionnés d'art, de culture et surtout de photographie. Afin de pouvoir venir déjà voir ces œuvres. Par contre, les œuvres ne sont pas gratuites. Oui, voilà. Les œuvres ont un coût. Et voilà, vous le découvrirez en faisant un saut à l'hôtel Onomo, ou sinon en nous contactant, un numéro que je vais laisser juste à la bien fin. Bien sûr, oui, on veut bien avoir le numéro de Julio Teco, si vous voulez. Non, c'est pas mon numéro.
C'est le numéro de la structure Télioprod qui co-organise l'événement. Vient de perdre la vente de dire. Avec, avec Gambo Studio, okay. Que je salue au passage, Emmanuel Aran, qui ont travaillé sur le projet. Donc le numéro, c'est le 93, oui. 14, oui. 18, 18. Oui. Pour avoir les. Tata, maman, Lola, je suis bien chauvé. Regarde, genre. Regarde, s'il te plaît, c'est son WhatsApp. Non, c'est pas son numéro, maman Lola. C'est le numéro qu'on peut appeler pour avoir des informations. Exactement, le 93, voilà. 14, 18, 18. Voilà, pour avoir toutes les informations concernant l'expo photo et également pour avoir accès à son travail, mais surtout aller sur sa page Instagram de Ghost. De Ghost. T-H-E-G-H-O-S-T. Voilà, vous tapez de Ghost, vous irez voir son travail et voir ce qu'il fournit. N'est-ce pas? Bon choix. On peut connaître l'estimation d'un tableau d'une... Estimatif. Non, ça dépend. Non, c'est l'œuvre de l'esprit et. C'est bon, comme ça, vous dites ça. Et on vous offre, voilà, on vous offre les tableaux, vous découvrez les prix en écrivant au numéro, ou sinon en faisant le déplacement. Déjà, œuvre de l'esprit, ça fait peur, on ne vend pas l'esprit, donc ça doit coûter assez cher. Non, j'ai dit, on vous offre les prix, on l'offre, voilà, totalement abordable. La pluie a toujours été gratuite. Alors, si vous vous inspirez de la pluie, vous offrez gratuit. Donc, vous offrez. Mais les bienfaits de la pluie n'ont pas, n'ont pas de prix. Dis donc, bon, on rentre en philosophie. Merci les gars d'être passés dans cette émission. On serait là-bas, nous, on va également en acheter. Oui. Mais on exhorte tous nos amis téléspectateurs à faire un tour de l'autre côté de l'hôtel Onomo. C'est, on rappelle la date, c'est du 22. Oui, du 22. Du 22 novembre au 5 janvier. Donc vous n'avez pas du tout d'excuses. Wow. Vous faites un tour, vous avez tellement de jours pour juste partir, visiter, acheter. Offrez-vous de quoi décorer votre intérieur. C'est la fin d'année et voilà. De jolis cadeaux, notamment dans les entreprises et tout, et des gens qui sont amoureux de la photographie. Surtout qu'on a de très beaux portraits. J'aurais souhaité emmener le catalogue ici. Mais tu ne l'as pas fait. Bon, je vais vous l'envoyer pour que vous le diffusiez après. Au lieu du catalogue, on voit même les œuvres. Il voulait qu'on fasse plusieurs choses en même temps. Voilà. Ouais, chanter en même temps. Ouais, hier, le vernissage était super beau. Ouais. Merci Kofi Saxo, Yvan Mob Danseur et toute l'équipe de l'hôtel qui nous ont accompagnés, notamment les scènes aussi pour la partie logistique et lumière, parce que hier on a fait un vernissage qui sortait du commun. C'était un spectacle, j'en ai voilà. Vu des on a emmené la pluie dans l'hôtel Onomo comme on pouvait le faire, et c'était très intéressant. Vous verrez en regardant ces œuvres que l'artiste lui-même pousse à l'inspiration et donne envie à, je pense, un tableau de lui, une œuvre de lui chez vous. Ça inspire. C'est ça profond. Je te coupe, tu vas, hein. Sa voix a changé. Sa voix a changé. Allez, on va quand même remercier nos invités. Merci. On va les accompagner chaleureusement. Nous passons maintenant à la plage publicitaire, couplée de l'intermède, et puis juste après, on va parler en et on va également parler bonne bouffe. Attends, depuis là, on attend ça bien. On va parler de la bouffe. C'est bon, on va aller jingle. Notion, moi, je suis pas. Vous pouvez partir, vous n'êtes pas les deux. Ah, d'accord. Océan Kératine reconstruit et protège vos cheveux. Pour un lissage exceptionnel, Clinique Air leur restitue leur souplesse, leur finesse et leur brillance. Vos cheveux revivent et leur beauté est révélée. Clinique Air, redonnez vie à vos cheveux. Dodo Cosmétique. Accueille du 3 au 4 avril 2020 la 4e édition du Forum des jeunes cinéastes engagés pour l'environnement. Un geste, une vie, sauvons la planète. Qui repartira avec les $1000 mis en jeu. À vos caméras.
Vous êtes cinéaste, journaliste, ONG, vous avez un film de moins de 30 minutes qui traite de la protection de l'environnement. Postulez en envoyant votre film par WeTransfert ou Telegram à fessilomeforuminscription@gmail.com. Vous avez jusqu'au 20 février 2020 pour repartir avec les 1 000 $ et le trophée en jeu. Par ailleurs, Fessilome, avec l'appui du Pocket Éco-Cinéma, organise du 24 mars au 1er avril 2020 une formation des acteurs et de réalisateurs pour 2 semaines. Vous voulez vous perfectionner? Réservez votre place du 20 novembre au 20 février 2020. Pour tout contact, écrivez-nous à fessilome@gmail.com ou par Facebook Fessilome officiel. Fessilome, jusqu'au bout de la perfection. Maintenant, Alain Sambouf, comme je le disais, nous allons vous présenter de la bonne salade et des smoothies by As. Mais avant ça, on va quand même partir à la dégustation de fruits séchés pour vos desserts, pour vos amuse-gueules, vos événementiels, tout le reste. Qui a déjà goûté? Ça, je vois pas encore. Mm-hmm. Par contre, ananas séché, oui. Mm-hmm. Ça, c'est succulent. Je te laisse goûter également. Merci. D'accord. Et oui, et notre cher Wiz, il a été rejoint par deux charmantes dames. Bonjour, mesdames. Bonjour. Comment vous allez? Ça va. Ouloulou. Je t'assure, on dirait la chorale des douces. Ouais. Bon, on refait ça. Bonjour, madame. Bonjour. Comment vous allez? Ça va. Il y a de la modulation. Ténor par là. Première voix par ici. Mm-hmm. Et la basse là. Ah, c'est vrai que maman Lola, ton fils était dans une chorale. Ah oui. Bon, alors, on va parler, avant de parler dégustation, maman. Oui, Océane. On va laisser notre. Arrête de. Non, tu fermes. Non, mais Joël. Joël, tu fermes. On parle environnement c'est là. Tu t'oublies vite quand il s'agit de la bouffe. Ça, c'est de la torture psychologique. C'est pas grave. Tout ce que et tu puis en direct. C'est pas grave. En direct. Tout ce que tu veux. Alors, Joël, aujourd'hui, dans pause environnement, avant qu'on ne passe quand même à 5 minutes pour gagner, et si vous avez de la chance, vous pouvez repartir avec de la bonne salade pour ce midi. On va quand même parler environnement, et avec toi, on va recevoir notre charmante invitée. Ben, merci Océane, bonjour à tous les téléspectateurs, ça fait plaisir de se retrouver encore aujourd'hui, vendredi. Ça fait très plaisir parce que déjà c'est vendredi et le plateau est très bien gardé. Je vous assure à la maison qu'après, hein, quand les caméras vont s'éteindre ici, il y aura de la bagarre parce que je vais toujours vouloir avoir plus. Je vais faire 2 minutes. Alors, on parle environnement. On parle de la 4e édition du forum des jeunes cinéastes engagés pour l'environnement, qui n'est qu'un dédoublement des activités du festival de cinéma de Lomé, Fessilom, qui est passé à la biennale. Et donc, cette année, enfin, en préparation pour l'année prochaine, la 4e édition de ce forum-là qui s'occupe de l'environnement. Et c'est un plaisir de recevoir mademoiselle Christelle Poucanam, qui est actrice, je rappelle, qui a tourné dans long métrage, court métrage, film policier également, et qui aujourd'hui préside à la tête de ce comité-là qui dirige le forum des jeunes cinéaste engagé pour l'environnement. Alors Christelle Poucanam, bonjour, bienvenue chez nous. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui sont sur le plateau de la pause ce matin. Mais merci. En plus, c'est Christelle qui nous souhaite la bienvenue. Ouais, merci. Elle chante bien aussi. Oh, tu vas descendre du plateau. Ça, je ne rassure pas du tout. D'accord. Alors Christelle, depuis le 20 novembre, ça a été lancé l'appel à films pour la catégorie
quatrième édition et aussi deuxième partie, les formations en prélude à la prochaine édition du Festilum. Un peu plus de détails. D'accord. D'abord, je vous dis merci à vous tous de me recevoir sur le plateau de la Pause ce matin. Et je ne déballerai pas les informations tout de suite, mais je vais parler un peu de l'environnement. Mmh. Aujourd'hui, l'environnement, c'est l'univers dans lequel nous vivons. Et il faut remarquer, il faut dire que nous le négligeons considérablement. Je me permets d'ajouter ce mot à la fin. Nous le négligeons considérablement. Pourquoi pas prendre soin de l'environnement? Et puis, ce que nous voulons amener comme nouvelle initiative, c'est pour comment conjuguer les œuvres cinématographiques avec l'environnement. Faire passer les messages concernant l'environnement à travers des œuvres cinématographiques. C'est possible, c'est faisable et c'est ce à quoi le Festilum a pensé cette année. Comme Joël vient de le dire, il a été dédoublé. C'est-à-dire, avant, nous faisions en même temps le forum et le festival. Donc, cette année, pour accorder beaucoup plus de temps au forum, se donner beaucoup plus, accueillir mieux ceux qui viennent de l'extérieur pour nous soutenir, nous avons choisi de faire, ou plutôt d'organiser le forum en prélude à la 7e édition du festival. Alors, il se tiendra. Je rappelle, il se tiendra à Lomé et nous allons cette année apporter un nouveau concept, $1000 pour un film. $1000 pour un film, c'est quoi? $1000 pour un film, c'est un concept qui a été mis en avant par le Festilum pour primer, voilà, pour primer ceux, ou plutôt des réalisateurs qui ont des films qui parlent aujourd'hui de l'environnement. Mmh. Il faut dire que ce sont des œuvres qui sont un peu négligées parce qu'elles ne sont pas assez intéressantes, alors que c'est elles qui sont instructives et c'est elles qui portent des messages. Pourquoi ne pas les mettre en avant? Et c'est ce que le Festilum a choisi de faire. Alors il s'est dit, on va choisir de faire $1000 pour un film et on va lancer un appel à films et récupérer des films. Au plus 30 minutes et faire un choix. Et c'est celui qui partira, celui, le lauréat qui partira avec les $1000. Tout ça, c'est dans l'objectif de primer, ou plutôt de soutenir encore plus ceux qui offrent pour les causes, ou les, plutôt pour les causes environnementales. C'est très important et c'est sur quoi nous voulons miser cette année. Voilà pourquoi nous avons dédoublé le forum, je rappelle, dédoublé, pour que nous puissions nous concentrer sur ça beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Alors, je m'arrête là. Ah. Oui, parce qu'on lui a dit qu'on vend les mots à la TV. Alors, prochain casting de chroniqueur et d'animateur dans la pause, on l'inscrit tout de suite. Vous avez du vibe. Wow. Alors, avant, vous avez, on va vous permettre de déguster un peu pour retrouver. Voilà. Je suis. J'ai pas les mots. Anyway, on parle de dégustation, madame. Qu'est-ce que vous avez dans les petites calebasses? On parle de dégustation avec Yemi. J'espère que j'ai bien prononcé. Hein. Moi, je disais comment c'est bien ça. Yemi. Yemi, ce sont des fruits séchés. C'est une marque de fruits séchés, donc, issus de l'agriculture écologique. Donc, on parle là de bio. Exactement. Je suis bien dans le vrai. Quel est l'objectif de sécher les fruits? L'objectif de sécher les fruits, c'est de pouvoir donner de la valeur ajoutée à ces fruits-là. Vous savez, comme après, pendant la saison des mangues, par exemple, il y a surabondance et les mangues pourrissent, les producteurs n'ont pas de preneur. Et après, on cherche les mangues, on ne trouve pas. Et ce qui m'a marqué, j'ai eu à rencontrer un producteur qui m'a dit un jour, je vais couper mes vergers. Pourquoi tu veux les couper? Parce que pendant la saison des mangues, je ne trouve pas de preneur. Mais je me dis, si tu coupes les arbres, c'est que toi-même tu te coupes la vie. Alors je lui ai dit, moi je travaille dans les fruits séchés, je conserve les fruits. Je vais prendre tes fruits. Et là je l'ai encouragé aujourd'hui, ce producteur-là à son verger. Et c'est une fierté pour moi. Parce que j'ai pu contribuer quelque part à sauvegarder ces arbres-là. Donc c'est quelque chose qui m'a motivée encore plus. Je me dis, j'ai du boulot à faire. Ce n'est pas seulement de produire les fruits, mais c'est sauver également les arbres, les manguiers. Peut-être quelqu'un qui est quelque part qui veut encore les couper. Alors, comment on peut l'utiliser à part le manger comme ça, tout sec? L'ananas séché, comme vous le voyez, vous pouvez l'utiliser pour faire du jus. Il suffit juste de le ramollir, vous mixez et puis vous avez votre jus naturel. D'accord, super. Vous pouvez aussi l'utiliser dans les gâteaux. Vous pouvez aussi le prendre l'ananas séché avec la bière, c'est très bon. Avec de la bière. En goûter. Vous pouvez remplacer la viande par l'ananas séché, ça vous fait du bien. Hier, j'ai eu
des amis qui m'ont écrit, m'ont demandé comment se fait-il que tu as perdu du poids, tu es devenu plus jeune. J'ai dit, je consomme les fruits séchés. Parce que les fruits séchés sont riches en fibres. Et quand vous les prenez le matin, vous les prenez le matin, vous prenez de l'eau, c'est parti pour midi. Vous ne sentez pas la faim. Et du coup, ça coupe la faim également. Et ça vous élimine toutes les toxines que vous avez dans les corps. Alors, on peut savoir comment procéder pour faire des fruits séchés. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui doivent se dire, est-ce que je peux faire ça à la maison moi aussi? Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on arrive à avoir ce produit-là? D'accord. En fait, on parle de fruits déshydratés, mais communément, les gens les appellent fruits séchés. D'accord. Vous ne pouvez pas juste couper les fruits séchés ça au soleil comme voilà, ça. Voilà, justement. Il y a un déshydrateur. Okay. Et ça prend 18 heures de temps pour se déshydrater. C'est pas comme vous déposez la viande sur le feu, puis le sort, non, non. Les vitamines se concentrent plutôt. C'est pourquoi quand vous les prenez, vous sentez que vous êtes déjà rassasié. Oui, vous ça, ne je mangez sens, plus hein. beaucoup. Ça, je sens. D'accord. Alors, c'est une machine qui électrique, c'est ça? Électrique et puis du gaz, conçu localement. Et du coup, ça doit coûter quand même 18 heures de temps branché ou sous gaz. Oui. C'est que ça prend du temps. C'est pas comme la viande séchée. Mais on parle de déshydratation. Donc on laisse le fruit prendre tout son temps pour pouvoir se déshydrater et ça conserve toutes ses vitamines. Ses vitamines, c'est ça. Alors j'ai là un paquet. Je ne sais pas si la régie peut faire un gros plan sur ceci. Juste pour savoir à combien est-ce que coûte ce paquet d'ananas séchés. Lui là, c'est un sachet de 100 grammes et ça coûte 700 francs. Nous avons aussi les sachets de 30 grammes pour permettre à ceux qui vont servir juste prendre ça à manger. Voilà. Merci. Moi, j'ai une question. Quels sont les fruits que vous réadaptez en fruits séchés aujourd'hui? Nous avons l'ananas, nous avons la mangue, nous avons la papaye, nous avons la noix de coco, nous avons le melon. D'accord. Alors moi je suis devant moi là. Océane, c'est le melon, je crois. Ça, c'est la papaye séchée. C'est la papaye. D'accord. On a eu la banane séchée qui est là. Oui. D'accord. Et si on veut contacter donc Yemi, comment on fait? Je pense que c'est le 91 94 55 65. Exactement. Je voudrais préciser que nous n'ajoutons pas de sucre ni d'additifs. Non. Okay. C'est naturel. C'est bio. Super. Oui. Alors je rappelle le numéro pour toutes les personnes qui sont intéressées par ce produit. Le 91 94 55 65. Exactement. Et puis vous avez ce magnifique produit de Yemi, fruits séchés. Oh, il y en a plusieurs. Et puis les parents également peuvent les adopter pour leurs petits-enfants. Exactement. À l'école. Bien sûr. Vous laissez les enfants aller acheter n'importe les quoi. Les bonbons et tout. Voilà. Donc dans l'après-midi, vous leur mettez de petits sachets de 30 grammes. Voilà. Dans le sac. Et puis les enfants C'est très, très, très C'est vraiment très bon. Ouais. C'est vrai, je l'ai bouffé, j'ai rien mangé. Et puis c'est très pratique. Vous revenez du service très fatigué. Oui. Vous ne pouvez pas passer au marché, acheter le fruit, venir là, c'est compliqué. Oui. Nous sommes des femmes d'affaires, des fonctionnaires. On manque de temps. Manque de temps. C'est pratique, vous pouvez voyager aussi avec. Mais où est-ce que vous vendez en grande surface? Oui. Oui. Alors, on peut connaître quelques endroits où on Oui, nous avons une boutique au sein du marché de Cacavelli. D'accord. Donc, vous pouvez trouver les produits là-bas. Vous pouvez les trouver aussi à la vitrine FAO. C'est parfait. D'accord, voilà. Super. On passe à la salle. Il y a Madame Détox à côté. Je pense que vous avez le bon numéro là. Bien sûr. Alors, je pense que maintenant, on va déguster. On vous a offert des petites palettes de deuxième salade. Maman Lola Mais là, c'est bon, non? Merci. C'est bon? Non, attends, on n'a pas dit le mot. L'exercice. Et je voudrais présenter nos excuses à ceux qui ont dû descendre du plateau. C'est pas grave. À nous le goût. Il faut que mon compagnon, mon asso de chaque groupe puisse être là. Joël, merci de me laisser présenter Joël Salade et Smoothies by Us. Donc, c'est un service de livraison de salade et de smoothies. Aujourd'hui, on va juste apprécier la salade, mais on reviendra sur le smoothie, bien entendu. D'accord, ok. Forcément. Appréciation, go, everybody. On a dit goûter. Alors, si en attendant, on peut avoir les images de la régie. D'accord. Moi, je vais te présenter, vas-y. Voilà. Donc, le service de livraison, il suffit d'appeler le 92 03 88 31.
ou le 99 43 16 02 pour avoir un plat de salade et smoothie by us. Et les prix varient entre 1500 et 2000 ou 3000, ça dépend vraiment de ce que vous avez choisi comme comme menu. Comme menu. On a quoi comme menu justement, parce que je vois du jambon là-bas, moi j'en ai pas. Justement, si on peut avoir la carte de menu à l'écran pour présenter à peu près. On a des salades composées, là, en face de moi, par exemple, il y a du fromage, il y a du jambon, il y a des concombres, il y a des olives, olives noires. Mais pourquoi tu piques dans mon plat? Il y a de la pomme de terre, il y a des feuilles de laitue également. Je ne sais pas ce qu'il y a chez, chez toi, Joël, je crois qu'il y a du poulet, là. Oui, moi, il y a du poulet. Voilà, il y a des... Il y a des œufs. Il y a du maïs. Voilà, il y a du maïs doux. Il y a également des pommes de terre. Moi, des pommes de terre. J'ai quoi ici, moi? Des œufs, de la carotte, du maïs doux, du thon. Il y a l'olive, moi. Voilà. Qu'est-ce que c'est? L'objectif derrière ces plats, c'est vraiment... L'objectif, je disais, derrière ces plats, c'est réellement de manger sain. De manger bio. Ça rejoint vraiment Yemi, là. De manger bio. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, on ramène tout au bio. C'est important pour notre santé. Donc, si vous voulez manger une salade saine, succulente, faites confiance à la bio. Merci, Océane. Faites confiance à Salade and Smoothie. Voilà. Salade and Smoothie, là. On peut trouver ça. Alors, ici, ce qui vient d'arriver dans le studio, c'est du lapin braisé. Du bon lapin braisé. C'est la période des fêtes. Et donc, si vous avez envie d'avoir de très bons menus pour les fêtes, commencez déjà par commander vos bonnes viandes. Par exemple, du bon lapin. Qu'est-ce que j'adore cette partie de l'émission. Ça peut être du lapin braisé, ça peut être du lapin en sauce également, accompagné du bon ablo de chez nous. Et je fais un coucou à tous ceux qui nous regardent de l'extérieur. C'est pas votre faute. Vous avez tenté, vous avez gagné. L'ablo est resté pris. Donc voilà. Alors pour avoir du bon lapin braisé, ben, vous appelez le 90 33 24 19 ou le 99 53 39 58. Le 90 33 23 33 24 19 pardon et le 99 53 39 58. Alors ça. Alors pour le lapin, on va pour moi je vais rentrer avec. Je vous représente. Voilà, valablement. Merci. Oui. Là vous aurez toutes les informations pour rechercher peut-être en plus. Également, vous allez voir tous les plats qu'on vous propose. Et, voilà. En tout cas, les images sont super belles. Ils font de la livraison. Ils font que de la livraison. Il y a de la livraison quand vous êtes en périphérie, c'est à entre 1000 et 1500. Quand vous êtes au centre-ville, c'est 500 francs. Voilà. Parfait. Ben alors, on souhaite bon appétit à tout le monde. Merci. Bon appétit, maman Lola. Bon appétit également, mes charmantes dames. Merci. Et puis, bon appétit également à ceux qui sont à table à la maison. Et on vous souhaite un bon week-end. Surtout, n'oubliez pas les événements qu'il y a de l'autre côté de l'Institut. Il faut faire un tour. C'est demain à partir de 20h. L'entrée est à 1000 francs. Et tout le monde doit y aller. Et la dernière information avant de couper, oui, rapidement. À partir de 14h30 à la Chambre du commerce et d'industrie du Togo pour la conférence justement du Festival international Filet et Guidon qui va rassembler encore plus de 10 pays cette année, l'année prochaine à l'hôtel Edaoba et au Grand Rex de Lomé. Donc faites massivement le déplacement pour demain à partir de 14h30 à la Chambre du commerce. Voilà, on se dit à lundi. Bye bye, bon appétit chez vous.